Je rentrais de l'école et je traînais Boubou, qui trépignait, pestait, jurait comme un voyou. Au milieu de la rue, il me fait un caprice et jette son cartable dans les immondices. Me voilà, genoux cernés par les vélos, recherchant les cahiers, les crayons, les stylos. Répandu ça et là, lorsqu'une voix aimable me fait lever les yeux vers un type adorable. Comme un souffle grisant, sa voix à mon oreille chante, fredonne et joue comme un envol d'abeilles. Je croise son regard et son regard me toise. Je suis émerveillée, puis je reste pantoise. Moi comme je les aime, un air intelligent, un sourire incertain, quelques mèches d'argent, dans une chevelure de pâte de poète, un concert sublime éclate dans ma tête. Regard au mien s'oppose longuement, ensorcelés tous deux par un enchantement. Boubou attend toujours au vélo des filles, et le temps lentement perpétue notre idylle. Mais il me faut partir et mon cœur se résigne, car mon bel inconnu du départ donne signe. Il se lève et sa voix émue me dit en face: votre combinaison, le saviez-vous, dépasse ce fut tout. Est-il près, est-il loin, est-il à Rochefort? Je le retrouverai, car je sais qu'il existe bien plus que la raison. Le cœur est le plus fort, à son ordre, à sa loi, personne ne résiste, et je n'y résisterai.